Bienvenue aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo et une vidéo unboxing. C'est un retour aussi. Quoi de mieux que commencer un retour par un unboxing? Ce n'est pas de Funko Pop. Et non, c'est tout simplement un coffret DVD édition spéciale. Et bim! The Spider-Man Homecoming! Ça déchire! Spider-Man Homecoming et ce coffret. C'est un coffret collector. Regardez, coffret collector. Et du coup, voilà. Donc, il y a dedans un DVD, le DVD Blu-ray, le digital ultraviolet disque. Il y a aussi dedans un sac, une planche de magnette, un porte-clés, trois cartes collector et un poster. Tu vois pas que tu me le mets dans la tête depuis tout à l'heure? Non, pas du tout. Bien fait, tiens, paf. Et du coup, un coffret. Du coup, on va commencer l'unboxing. Attendez. Regardez avant ce qu'il y a au dos. Et oui, il y a le Spider-Man. Voilà, donc c'est comme ça le coffret. Tu vas ouvrir. Je vais t'aider. Je tiens, je maintiens. Attention, ça arrive. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, regardez comment ça se présente. Ça se présente comme ceci. Donc, on va commencer par le premier. Donc, c'est un porte-clés. C'est un porte-clés. On ne voit pas. Pas besoin d'ouvrir. On peut voir le porte-clés. Donc, est-ce qu'il y a... Il change. Je ne sais pas si vous allez. Ouais, voilà. Spider-Man. Et là, hop, la tête de Spider-Man. Et voilà, donc c'est le logo, vous savez, qui est projeté au plafond. Ouais, du coup, voilà. Donc, ça, franchement, ah, c'est un truc rétractable, en fait. C'est trop bien, ça. Voilà. Donc, voilà, il y a ça dedans. Hop, on continue, vas-y, toi. Ça, c'est des stickers. C'est des stickers. Il va pouvoir décorer sa chambre avec des stickers. Alors là, je vais pas décorer ça, je vais le laisser dedans, pour le coup. Après, il y a le poster. Donc, le poster. Attention, il est ce poster. Franchement, il claque. C'est un papier un peu... Il a une odeur. Ouais. C'est vrai que c'est un papier illustré. Vous voyez, un papier lumineux, tout ça. Et lumineux. Enfin, brillant, quoi. Il est super bien. On voit Iron Man et Spidey avec la tour. The Avengers. Il y a des cartes. Donc les cartes. C'est pas sur des petites photos. Attends, je vais les ouvrir. Ouvre bien. J'ai tout déchiré comme ça. Donc c'est un peu des cartes comme il y avait eu dans les... Je pense que c'est un peu des cartes comme il y avait eu dans le... la phase 1. Je vais regarder si c'est exactement pareil. Parce que si ça va être accroché. Ouh, ils sont super belles. Attends, on va les présenter un peu, plus en détail. Donc là, Spidey. Voilà. C'est blanc derrière. Il y a des numéros, je sais pas s'il y a un... C'est un rapport. Tu m'en donnes une? Je sais pas. Je veux celle-là. Ah, mais non, mais c'est celle que je voulais le plus. Voilà. Elles sont super belles. C'est vrai, ils sont juste magnifiques, c'est vrai. Ils sont bien illustrés, tout ça. Bon, franchement, je pense que je vais les mettre dans mon décor. Donc, tu m'en donnes une. On continue. Je fais mes négociations. Il y a un petit sac. Un sac. Un sac à dos. Le sac à dos Spider-Man. Tu pourras aller au lycée avec. Tout à fait. Tout à fait. Au BTS, tac. Hop, coucou. Donc voilà. Il n'y a que ça. Ouais. Il est marrant. Ouais, c'est bien, franchement. Il est, il est sympa. Ouais, c'est un tissu. Un tissu en polyester, je pense. Il est comme ça. Il est assez grand, en fait. J'ai les gants. Je peux mettre la tête dedans. Et du coup, bien sûr, il y a, boum, le DVD Ultra HD, tout ça, blabla. C'est une édition spéciale qui contient 10 scènes supprimées, un bêtisier, un guide d'études d'araignée, spot inédit Captain America, suite de la réalisateur comble le fossé de la bataille de New York, une toile inachevée, Spider-Man dans l'univers cinématographique de Marvel, et bien plus encore. Et on va l'ouvrir. On va peut-être le regarder ce soir. Comment tu ouvres ça? Il y a un truc spécial. Ah oui, là. Tu sais, je peux ouvrir la DVD. Tu es con. Non.
Parce que je n'ouvre jamais les DVD Blu-ray, je prends jamais des Blu-ray, mais... J'achète jamais les DVD tout court. Hop. Regardez, attends un peu. Là. Hop. Voilà. Ah, il y a le code, donc je... Alors, il y a un code. Bah, le code de garde-le. Il y a un code pour l'ultraviolet, pour le... Et du coup, c'est comme ça. Donc, il y a deux DVD. Il y en a un blanc, un noir. Ouais. Donc, je suppose qu'il y en a un, c'est côté bonus, et l'autre, c'est pas bonus. Non, un, c'est côté DVD, un, c'est côté Blu-ray. Ça me paraît plus logique. Ouais, regarde. DVD, Blu-ray. C'est toujours comme ça quand t'achètes DVD, Blu-ray. Je ne connaissais pas ça. Mais réfléchis. Un DVD, ça peut pas être le même disque qu'un Blu-ray. C'est obligé qu'il y ait deux disques différents. Mais je ne sais pas, je ne connais pas, moi. J'ai jamais acheté ça. Du coup, voilà, vous avez deux disques Blu-ray et DVD. Donc, voilà. Non, franchement, regardez. Ah bah, c'est écrit. Pour une expérience... Tu me désespères. J'ai jamais utilisé ça. Du coup, voilà. Donc, deux DVD. Franchement, ils claquent. Franchement, je vous recommande. Et c'est pas tout. J'ai envie de vous dire combien je l'ai acheté et où surtout. Je l'ai acheté à Noz dans un magasin de déstockage. J'ai regardé sur Amazon, tout ça. Ce DVD vaut entre 20 à 25 euros. Et là, je l'ai acheté, voire même 30, ça dépend. Ou je l'ai acheté 6,99€. Même pas 99, 6,49€, je crois. Et franchement, c'était hallucinant de voir ça. Il y en avait deux. J'en ai acheté un. J'aurais dû acheter l'autre aussi pour faire le revendre. Non, je blague, je fais pas du commerce. franchement... Je sais que j'en serais capable. Oui, j'en serais capable. Franchement, je vous conseille absolument d'aller dans les Noz, voir s'il y en a toujours. Il y avait aussi le Spider-Man New Generation aussi en DVD. Ouais. Pour ceux qui aiment Spider-Man. Avec Mike Morales. Mm-hmm. Comment dire. Et voilà. Donc sur ce, j'ai envie de vous dire à très bientôt. Bye bye, à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez si vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le retour du petit L et de la petite L. Allez, sur ce, bye bye, à la prochaine.